à l'appareil. Comment? Passez-moi Mario, s'il vous plaît. Mario? Mario? Il me raccroche au nez. Il me raccroche au nez. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui, oui, monsieur. Vous avez un problème? Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous allez bien? Vous ne faites rien à longueur de journée et vous vous permettez de perturber, de perturber. Non mais dites donc, vous m'avez appelé pourquoi? Pour me faire perdre mon temps? Mario me raccroche au nez et vous me faites perdre mon temps. Allez vous voir ailleurs. Yo Didier, c'est comment? Cool. Ouais, tu peux me passer ton cours sur la sociologie? Oui. Didier, what's up? Quoi, tu es cool comme ça? Je viens de voir une fille aux fesses de papa est passée. C'est pas vrai. Joe, si tu la voyais. Qu'est-ce qui s'est passé après? Toi-même, tu connais mon problème là. Tu l'as abordé, oui ou non? C'est le fait d'aborder qui est compliqué. J'ai peur. Joe, je n'aime pas ça. Hein. Là, au revoir. Eh, hey, Didier, 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 viens. Viens. Non, tu allais toi aussi. À chaque fois, c'est comme ça que tu te fais planter. Quel jour, toi, tu vas te décider à draguer une meuf? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, je sais ce qui t'arrive. C'est que tu manques de techniques d'approche. Ah bon? Oui. Ouais, prends mon exemple. Même Miss Monde, là, elle fléchit devant moi. Non, quand je parle à une fille, elle tremble comme ça. C'est pas vrai? Dis-moi ce qu'il faut. Est-ce que tu as de quoi noter? Oui. Oui, oui. Il faut enlever ça. Note qu'il y a quatre règles fondamentales pour draguer une meuf. Okay. Et tu précises que je les ai conçues. Hein. Règle numéro 1, l'appellation. Tu appelles la fille. Règle numéro 2, la fixation. Tu la fixes droit dans les yeux. Numéro 3, le CV. Celui qui doit inviter, crache la vérité. Là, tout ce que tu as dans le ventre là, tu déverses ça. Règle numéro 4, ça c'est le raccourci, le bouquet final. Quand tu parles et puis tu vois qu'elle hésite un peu là. Mouah. Tu es trop fort! C'est mon travail. Mamie, j'en drague au moins 5 par jour. Regarde la fille. Tu peux m'attendre, Didier. Bonjour. Bonjour. C'est mon frère qui voulait vous parler. Et votre grand-frère, il ne peut pas parler lui-même. Bon, attendez, je vais l'appeler. Dépêchez-vous. Attention, je me passe. Bonjour, Tata. Bonjour, vous m'avez effrayé. Comment vous allez? Fixation! Et papa? Quel papa? Votre papa. On a un père en commun. Ou bien on se connaît quelque part. Vous ne me connaissez pas, mais c'est moi qui vous connais. Fixation! Que votre, la nièce de votre petite soeur nous a montré votre photo. Et c'est là que je vous ai trouvé mignonne. Ah, vous m'avez trouvé mignonne. Je suis très flattée. Crache la vérité. J'imagine donc que je vous plais. Quelle question. Beaucoup même. Ok, comment je dois t'appeler? Moi, c'est Joe. Hey, Joe. Hey, ok, Joe, regarde-moi bien en face. Bon, regarde-moi. Nous nous ressemblons. Attends. Nous sommes de la même catégorie. Tu t'es regardé? Raccourci. Tu as le culot de venir te mettre devant moi pour me raconter de telles sottises. Qu'est-ce que ça veut dire? Raccourci. Tu ne peux rien chercher à faire de ta journée. Hein? Ou de rester là à tourner derrière les femmes qui passent. Regardez-moi ça. Va là-bas. Tiens, encore sur la terre. Hey,
Didier. Pour moi, mieux. Non, tu me connais. Tu me connais. Si j'entends parler de ça là à quelqu'un, voilà, tu vas me sentir. On parle de tout.